Salut les icos! Allez, je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir sortir de vos plans habituels blues et surtout quand vous tournez en rond. Voilà, donc moi, ma petite astuce, elle est très très simple. D'abord, je ne pense pas blues. A contrario, ben oui, c'est penser blues, ça bloque. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans le registre des années 70, voire début 80. Et je me dirige plutôt sur des musiques pop, du rock psyché, genre Pink Floyd par exemple, hein, pour ne pas les citer. Et j'écoute plusieurs morceaux et je m'intéresse à l'intro et au refrain. Voilà. Et là-dedans, j'essaye de capter des plans de 5-6 notes, 8 notes, gros maxi. Et après, je vais rejouer donc sur le manche de ma guitare à la même tonalité de ces morceaux pour faciliter bien sûr le travail. Apprendre et mémoriser donc ces doigtés-là. Et après, on pourra les transposer à la tonalité qui nous intéresse quand je vais jouer une improvisation de blues. Alors là, aujourd'hui, je vais vous montrer justement deux plans que j'ai captés de deux morceaux différents des années 70 et début années 80. Et ensuite, à la fin, après, je vais improviser et je vous explique, je vous dirai quels sont les morceaux que j'ai pris. Mais je pense déjà que sur un, vous allez le reconnaître. Les plans que j'ai pris dans les années 70, hein, donc ils démarrent en do, ré, si, la et sol. Hein, donc ça fait ça. On peut un peu plus vite. Voilà, ça, c'est le premier plan. Voilà. Le deuxième plan, donc sonorité originale, il démarre en si. Hein, donc si, do, ré, fa dièse, oui, et on revient à sol. Alors, le retour à la maison, plus ou moins je le joue. Je préfère lui rajouter une note plus haute, par exemple. Hein, voilà. Donc, après, j'ai pris un plan blues en la mineur et je vais tourner avec trois accords. Donc, mi mineur, la mineur et do majeur. Donc, mi mineur. Deux octaves. Hein. Je peux le faire ici ou ici. Voilà. On peut faire le double stop ici avec le mi mineur. Voilà. On va utiliser la troisième position pentamineur. Vous voyez comment on construit? Hein. Donc, hein. Mais je n'irai pas sur la première position, je vais rester là. Hein, voilà. Maintenant, je vais mettre donc mes deux plans. Hein, donc le premier. Voyez, je ne reviens pas à la maison comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Là, si je revenais, hein, mais je ne vais pas revenir. Récupère mon la mineur, voilà. Ou do, hein. Youpi, allez, c'est parti. On va attendre, on va faire défiler un peu la grille, hein. C'est parti. Plan. Voilà.
recommence. Voilà, c'est juste pour vous faire voir un peu l'improvisation. Hein. Voilà. Donc alors, mes deux plans, maintenant, sur le premier, c'est l'exorciste, tout simplement, hein, Michael Flynn de Tubular Bells, hein, pardon pour mon anglais. Le deuxième, je voulais montrer l'original, c'est True de Spandau Ballet. Tout simplement, que je déplace à cette octave-là. Hein. Mais je retourne pas, je reviens pas à la maison, hein, comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Alors, ce petit tuto, s'il vous a plu, s'il vous permet de voir autrement, de pouvoir sortir de votre tournée en rond, bah, laissez-moi un petit like, des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Ça me permet de me motiver et de faire d'autres tutos. Voilà, le partage, les enfants à la guitare, si on veut avancer. Ciao à tous !